C'est dégoûtant. Une histoire de Benoît Becker. Réécrite par les élèves de Monsieur Bertrand et jouée par les élèves de Monsieur Marc et Monsieur Petit. Quelle belle journée! Dans la ville où vivait Petit Louis, tout était calme. Petit Louis! Ouais, Petit Louis! Oui, j'arrive, c'est pourquoi? J'ai un recommandé pour toi, viens vite! J'arrive, je suis là. Attends, me voici. Du courrier? Pour moi, ce n'est pas fréquent. Chouette! Et ça vient de loin, mon ami. Un timbre comme celui-là, c'est de l'autre côté de la mer. Merci, facteur. Une petite signature, s'il vous plaît, et ici et là. Voilà. Passe une bonne journée. Avec ce qui va nous tomber sur la tête, ça ne risque pas. Je file, à bientôt. Au revoir. Le lendemain matin au port. Ouf, j'ai bien failli être en retard. Monsieur, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la cabine 375, s'il vous plaît? Descendez à l'entresol. Sur votre gauche, vous trouverez un ascenseur que vous prenez jusqu'au troisième plan. Là, vous traversez le restaurant pour rejoindre un couloir bleu qui mène à la piscine. Juste avant la salle de sport, vous tournez à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis encore à gauche. Là, vous descendez les 5 marches qui donnent accès à l'accueil et vous demandez à la jolie demoiselle qui est derrière le bureau. Mais je rêve! On a laissé monter un loup sur le bateau. Où va-t-on? Ça ne peut pas se passer ainsi. Madame, vous trouvez normal de voyager avec un loup? La compagnie se moque de notre sécurité. Vous avez raison, soyons prudents. Nous devrions le faire enfermer. Oui, le faire jeter par-dessus bord. Mais n'exagérez pas, ce loup a l'air très gentil. En tout cas, il est très poli, il dit bien bonjour. Vous avez raison, c'est un loup très aimable. Regardez! Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Et la famille? Tout le monde est en forme. Belle traversée, n'est-ce pas? Il est parfait, ce loup. Regardez, disons, ce goutte de sa valise. Oh, hé, non! Petit Louis, qui ne se doutait de rien, continue sa vie à bord. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Très bien, merci. Et la famille? Très bien, merci. Et la grand-mère? Enfin, elle nous prépare de bonnes pizzas pour les enfants. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Très bien, merci. Et la grand-mère? Enfin, elle nous fait une maison toute propre pour le retour. Bon voyage! Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Très bien, merci. Et la famille? En forme. Et votre grand-père? Impeccable, il s'occupe de notre jardin, entretient la voiture, vide les corniches. Ah, il pouvait aussi payer quelques factures.
Rien n'est parfait. Bon voyage. Quelque temps plus tard, à bord du bateau, certains passagers prennent leur courage à deux mains. Peut-on savoir quel livre vous avez là ? Ça, c'est mon conte préféré, le Petit Chaperon Rouge. Et vous l'aimez comment, cette grand-mère ? Il l'avait bien dit, une histoire de loup et de grand-mère qui tourne mal. Ah, beaucoup, c'est une grand-mère si douce, si tendre à croquer, et maintenant la voilà en 1000 morceaux. Enfermez toutes les grand-mères dans leur cabine, il faut les protéger. Montons la garde pour sécuriser le couloir. Il faut faire une tournante qu'elle ne soit jamais seule. Je vais le suivre partout, je ne le laisserai pas faire. Après une journée en mer, le voyage a touché à sa fin. À la nuit tombée, Petit Louis cherche un endroit où dormir. La 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 la. La 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 la. Fais attention, il transporte une grand-mère dans sa valise. Fais attention, c'est un mangeur de grand-mère. Fais attention, ce boucher-là tue toutes les grand-mères. Méfiez-vous, celui-là a déjà égorgé 8 grand-mères. Sauf qu'il peut, ce loup mange toutes les grand-mères qui sont sur son chemin. Il paraît qu'il mange toutes les grand-mères de son pays et c'est pour ça qu'il débarque chez nous. La 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 la. Quel bel hôtel! Bonjour monsieur, pourrais-je vous louer une chambre pour la nuit? Non, ne laissez pas entrer! C'est le fameux mangeur de grand-mère! Un voyou, un brigand, un voleur, un tueur, le diable en personne! Monsieur, c'est complet. Toutes nos chambres sont occupées. Vous ne trouverez rien dans cette ville. Allez donc voir ailleurs. Les gens ne sont pas très accueillants dans ce coin. Tant pis, je vais dormir à la Belle Étoile. Le lendemain matin... La, 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 la. Grand-mère, grand-mère, où es-tu? Je te cherche, où te caches-tu? Entre, petit Louis, je t'attendais avec impatience. Mais, tu n'es pas en 1000 morceaux! Mais non, gros bêta! C'est juste une expression quand on est couvert de bleu et de bosse. Je suis tombée à vélo. Ce n'est pas plus grave que ça. Tant mieux, parce que sur le bateau, je n'étais pas le seul à m'inquiéter pour toi. Tu vas encore bien rire, grand-mère. Pour recoller les morceaux, j'ai apporté de la colle, des pansements, des épingles à nourrice, des punaises, un tournevis, de la ficelle, des trombones, des clous, une scie électrique, du ciment, des vis, du papier de verre et une bouteille de... Mais c'est dégoûtant! La bouteille de mercurochrome s'est cassée dans ma valise. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.